Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes Black et puis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas développer 4 points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes Black encore veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé ou capable abonner avec TV Caraïbes et puis pas oublier ouvrir chaîne notification hein, pour capable faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Et ça t'a impressionné nous en pile. Sous des capable aider nous grandir chaîne ça. Et bien nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information yo en nous. Conseil spécial président République là, Jude Charles Faustin fait qu'on est gay, faut qu'a fait bon côté exécutif là pour permettre pays à gagner un nouveau gouvernement. Dans le commencement année 2020, député Kinskoff là, Alfredo Junior Antoine, dit qu'il regrette chambre député a pas guitare travail assez pendant 4 années mandat. Côté assemblée député a rivé voter seulement 49 projets à proposition loi. L'autre information nous gain pour ancien président Sénat République là, Edgar Leblanc fils, fait qu'on est en pile autorité dans l'état, toujours pas manifester volonté pour élection organisée pour éviter vide dans parlement. Et l'autre information nous voulons partager ensemble avec vous tout, local parlement haïtien toujours semble un espace abandonné depuis que t'as un gros déblosage qui t'est pété dans le parlement ici dans Haïti. Eh bien, ces informations ça, on nous parle développer pour nous pas perdre du temps, n'a pas commencé cool, yeah! Non, adresse que le fait Anissa à peuple là, lui est interpellé et chaque haïtien, chaque haïtienne, pour que yo capable continuer d'akadi et gagne confiance dans l'État, parce que l'État li gagne pour que li travaille et dans l'objectif pour l'améliorer condition la vie peuple là. Et c'est rôle fondamental que l'État gagne. Faut la vie peuple là améliore. Donc pendant l'année 2020, président pour continuer travail, dialogue yo pour continuer renforcer pour que bon accord dans début année à la grand accord politique. Un gouvernement tout neuf qui est installé et pour que le gouvernement ça limite le travail pour que point qui pourra constituer la feuille de route de ce nouveau gouvernement, eh bien, il est capable d'appliquer à la lettre et que le peuple capable de sentir effectivement en meilleure condition de vie. Le président continue à travailler et pour le capable de mettre le gouvernement que lui-même lui était proposé à la nation. Hein, c'est un gouvernement d'union nationale, un gouvernement inclusif. Ça veut dire que vous gagnez la participation maximale de l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Ça, Dakadou, et même pendant la période de fête, nous voyons que le président lui continue le travail jusqu'à vendredi dernier, il a gagné une dernière rencontre et pour semaine passée. Mais tout le week-end, le président continue de rencontrer avec nous. Et parce que, faut que je dise, le président, lui de bonne foi dans les salles et la permet de temps et moyens pour que lui capable de concrétiser, d'accadis, ce rêve, ça que le souhaiter pour que mon gouvernement qui gagne plus de participation ensemble du secteur là-dedans. Donc, le gouvernement, ça a, certainement, vous autres parlez là de dysfonctionnement du Parlement, eh bien, le gouvernement, ça certainement, qui pourra un gouvernement d'exception, puisque certainement, à quelques jours, d'Akadi, de la fin de la 50e législature, et législature n'a pas pu s'ouvrir, et probablement bientôt, pour être capable de légitimer ce gouvernement, et certainement, ça va être un gouvernement d'exception. L'État du Parlement, la loi, et la Constitution prévoit comment ça fonctionne. Ce n'est pas le président non, qui peut inventer la roue. Donc, à un certain moment, le président préval de fonctionner et sans parlement, ou bien avec un parlement dysfonctionnel. OK? Sous le président Matéli, il y a un petit temps comme ça. Donc, malheureusement, c'est là nous arrivons parce que le projet de loi électorale que le président a acheminé au niveau du Parlement, et ça depuis environ 2 ans, malheureusement, le projet de loi électorale, ça n'est pas voté par le Parlement, et que le Parlement, n'a souci même pour renouveler tête dans le pouvoir que vous avez donné, il n'y a pas accordé importance à votre projet de loi. Ça fait que président, pas dans le cas fait élection, c'est pas bien un nouveau document
légal, ça n'a qu'à aller en loi électorale, qui peut faciliter que l'élection est faite. Maintenant, la loi est là, probablement l'exécutif va le regarder, et certainement, et si bon accord politique, accord va dit 1, 2, 3, 4, donc accord lui-même l'a venu avec des détails sur mise en place ensemble de Ndakadi bagaille qui pourra le faire dans la période ça que nous pourrons vivre à partir après le deuxième lundi de janvier cette année. Donc, disposition légale, il y a toujours point. Et quitte son loi, son disposition légale, quitte son décret loi, son disposition légale. Depuis un gouvernement monté, il faut qu'on fasse de route. Donc, feuille de route, là, il pourra dégager ensemble de soucis que le président et avec le premier ministre là, a gagné pour que il soit capable de travailler dans le sens et un parti qui a gagné pour qu'il soit capable de résoudre un ensemble de problèmes. Et ensemble de problèmes, nous avons gagné le dialogue, c'est que nécessité pour approfondir le dialogue sont nécessaires. On n'a pas gagné, on a dit, quel que soit le gouvernement qui a monté là. Il n'est pas privé, même si c'est un gouvernement d'union nationale, mais malheureusement, il n'est pas privé, fait unanimité sous Ndakadi et la participation de tous. Vous avez autant de positionnements au niveau des médias, côté de monde qui toujours gardé une position de jusqu'au boutisme et qui pour comparer ou même pour que vous capacité à faire dialogue. Donc, Mounza aussi ou pas joindre au Cognac, donc capable gouvernement, capable de gagner et la lourde responsabilité pour continuer des marches là et pour que nous capables de arriver puis devant peut-être à et on approche beaucoup plus participatif. Donc ça, c'est gouvernement qui est capable de prendre un élément dans la feuille de route. Ou gagner et budget, et, parce qu'il faut un nouveau budget, ok? Donc ça, nouveau gouvernement pour aller pour le travail sur un nouveau budget. Et pour le gagner, on a arrêté, on décret, qui pourra le prendre pour capable de publier et ce nouveau budget. Donc, et nouveau gouvernement, certainement, après le travail sous élection, ok, parce que normalement, on gagne élection, et bien, et décret-loi, forme un nouveau décret-loi qui pour définir élection, ok. Donc, un ensemble de bagailles qui nous pensait qu'il faut le constituer faire de route. C'est de bagailles que nous ne sommes pas capables de faire un jeu nos seuls. C'est de bagailles qui nécessairement doivent faire. Et nous devons le faire dans l'intervalle. Un article que moi, je vais changer l'article là, le numéro, et qui dit que le mandat magistrat a fini au mois de janvier. Ça veut dire, à la fin de janvier, le mandat magistrat a fini. Mais là, on a parlé de question de mandat. Parce que le mandat, c'est pas le mandat de toute qualité qu'on veut dire. Vous comprenez que le monde dit qu'il va aller, il va pas aller. Donc, on ne va pas au niveau de l'exécutif, en question de dire qu'il va aller. Parce que l'exécutif, et moi, je dis à plusieurs reprises dans plusieurs interventions que nous faisons, l'exécutif n'a pas gagné lui-même pour la paix fixer mandat. Parce que ce n'est pas l'exécutif, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas fixer mandat. Mandat, c'est le bagage, qui est rentré dans l'ordre constitutionnel. Et les mandats, on y est arrivé à terme. L'exécutif là ne fait que constater la fin des mandats. Tant que le président de la République là nous connaît que lui-même, lui quitte quelle est sa situation qui évolue. Le président de la République là a dit que le mandat a fini le 7 février 2022. Ok? Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas de bagage comme si pour mon été à faire. Et débat sur eux, c'est de manière claire, concrète, ok. Et article 53, on va changer la constitution, les bails exactement et date échéance, mandat magistral. Donc maintenant, qu'on y a, l'exécutif là lui-même, il est capable toujours et chercher mes méthodologies pour que magistral comprenne capable de continuer. Travail dans la communauté côté élu, mais ce n'est pas en question de mandat qui pourra faire discussion. Parce que mandat, son bagage qui est limité dans le temps et dans l'espace. Capable toujours pour un temps entre, par exemple, FENAM avec le pouvoir exécutif là sous question magistrale. Ok, mais on a parlé de mandat. Donc, le président n'est pas capable pour arrêter. Et puis, pour dire que le mandat magistral est prolongé jusqu'en 2000, je ne sais quoi. Vous comprenez? Le président n'a pas qu'à faire ça. Le
président a outrepassé de responsabilité. Ok? Donc ça veut dire que vous-même, tout magistrat, vous connaissez que vous-même, vous n'avez pas prendre disposition pour vous dire qu'il est absolu comme magistrat. Tout comme tout, ce n'est pas vous qui avez dit qu'il est rentré comme magistrat. Ça, c'est deux bagailles qui, et Dakadou, qui, c'est pas deux bagailles pour le monde, à péditant, à parler sur vous. C'est deux bagailles comme si qui est légal et constitutionnel, et c'est la loi qui suppose et référence pour parler des questions. Le prochain, c'est, alors dimanche minuit, c'est la caducité de la Chambre des députés, mandat nous a privé à terme. Donc, mais au terme de notre mandat, si je dis que moi-même, je suis satisfait comme parlementaire, je dis non, parce que pour la simple bonne raison, il y a un peu de travail que nous avons dû arriver à faire, que nous n'avons pas arrivé à faire. C'est vrai, nous avons un bilan, moi-même, considéré comme un mec bilan, parce que nous arrivons à voter et près de 49 propositions, entre propositions et projets de loi qui votaient. Il y a qui votait en deuxième lecture, qui transférait by exécutif là pour publication, et il y a qui transférait au Sénat, qui votait à la Chambre des députés, qui transférait au Sénat pour vote. Donc, nous, même personnellement, pas satisfait de bilan et Chambre des députés. Okay? Bien que nous passions 4 ans, mais c'est presque 2 ans et demi de turbulence. Il y a une seule année pas de manifestation. C'est une seule année que nous passons par des manifestations. Hein? C'est année que transition que le président Jocelyne Privert est allé dans l'année pour faire l'élection présidentielle. Là. C'est seulement année ça. Après, les 3 années consécutives que nous passons dans le Parlement, c'est nous avons contrôlé le nombre de jours que nous faisons de travail. Okay? Zone non infréquentable, c'est tiré. Et tout ça, ça a contribué à maigre bilan que nous avons. Parce que nous n'avons pas accordé l'importance que l'institution pour le Parlement haïtien. Et ce n'est pas la population. La population fait effort pour aller voter. Nous. C'est mes pères qui n'ont pas en mesure vraiment pour eux, en pile là-dedans, bien entendu, pas comprendre la responsabilité que le Parlement a face avec le pays. Dans le pouvoir de contrôle, dans doter pour pays à de lois qui capable d'améliorer les conditions de vie de la population. C'est une mission ça que nous avons. Donc, son grand pouvoir, malheureusement, c'est comme si on est capable de dire que mes pères, la plupart de mes pères, n'ont pas évalué les responsabilités que nous avons dans fait yon institution comme ça marche. Vraiment, moi, je préfère que ces populations qui fait bilan de monde qu'elle a voté, parlementaire, parce que au lieu que moi-même m'a fait bilan de travail, parce que dans une population, et moi, je crois que je suis sorti insatisfait de mission que j'ai banoué. Donc, quand il y a une décision que tu dois prendre, c'est vrai que nous votons en pile loi. En pile projet de loi, en pile proposition de loi votée, mais est-ce que vous sentez retomber ça au niveau de population? Non. On n'a pas de signe qui ton pays dans le fond de crise, ok? Et donc, pas quoi que population satisfait. Donc, moi-même, je ne suis pas capable de dire vraiment une action que nous avons fait qui était utile pour la population, vraiment, en dépit de la loi que nous avons votée, mais qui impacte que nous avons. Sous quotidien population aucune, ok, aucun. Donc moi presque préféré comme démocrate remettre son à population, il revient à la population de juger. Après un vide institutionnel parce que même Jean palais national, c'est vrai que sous président Martelly il défend semaine pas de président dans palais. Vous comprenez, donc son pays spécial, vraiment. Donc, même si je n'ai pas gagné vide au niveau de l'autre pouvoir, pas qu'arrivons là pour dire que le président de la Cassation n'est pas là, et CSPJ, pouvoir CSPJ n'est pas là, et le palais, on pas qu'à dire que le palais, c'est même si je n'ai pas qu'à dire que le pouvoir législatif n'est pas là, puisque c'est 3 pouvoirs ça, qui constituaient vraiment l'État. Donc, malheureusement, depuis le Constitution 87, là, pour que j'aime une législature qui arrive dans le terme mandat, surtout pour la Chambre des députés, et que y a une élection qui fait pour que y renouvelle
législature ça pour pendant m'a sorti là moun qui t'a pral député Kinskoff là il était dû rentrer lundi. OK, pour te donner une élection pour que il y ait un renouvellement qui fait à temps parce que vide institutionnel importance institution ça et gagner dans faire démocratie dans survie de démocratie. Donc nous va arriver faire. OK, donc c'est bien malheureux. C'est une législature qui peut aller et par une nouvelle législature, 51e an, par une élection qui est faite à temps pour remplacer. Et même le ça m'a retourné dans le camp parlementaire, que moi-même, moi fais partie de eux, nous pas travaillons pour que l'élection arrive faite. Parce que la population, c'est normal pour qu'il y ait des désiderata, de problèmes de quotidien, pour qu'il prenne la rue, il manifeste. Mais là, c'est propre parlementaire que le voter pour aller résoudre le problème. Ça, au lieu que nous fait que le Parlement son haut lieu de débat contradictoire pour nous résoudre le problème, ça, nous mettez nous même côté au peuple là dans la rue à manifester. Donc, meilleur résultat. En partie, et Parlement responsable. On ne peut pas douter que le pays a une loi électorale qui était le fait à temps. Le budget a été 40 millions. Dollars que tu mettais, que l'exécutif te mettait dans le nouveau budget que tu as voté pour question élection, nous ne pas faire, nous ne pas voter. Au contraire, nous retournons le budget. Donc, c'est autant de problèmes que nous-mêmes nous contribuions pour que l'élection ne soit pas arrivée. Ce n'est pas la première fois tout que ça arrivait que le pays a, en 1999, ok, 98-99, donc, nous avons la même situation, ça a été posé, que la législature qui est absentie n'a pas gagné l'élection pour remplacer. Et le ça, le pouvoir exécutif, tu as fait face à même problème que le pouvoir ça a pris le pour le faire face lundi. Donc, ce n'est pas un décret que vous avez gagné pour diriger, pour président diriger le pays. Donc, ce que, même pensé que la sagesse, m'a peut-être un peu la sagesse président, et que leur situation ça arrive, il faut qu'on soit beaucoup plus sage pour prendre des décisions qui toujours reflètent la constitution avec la loi pays. Donc ce n'est pas parce que y a un vide institutionnel là, côté que le Parlement arrive au côté à privé que le dysfonctionnel, c'est vrai, ok? Et même le Sénat a arrêté, mais la dysfonctionnel, ok? Parce que le Parlement, c'est les deux branches. Et c'est la Chambre des députés et le Sénat qui fait pouvoir législatif là. Youn nan pouvoir nan brassa ou pas là, li entraîné et capable de dysfonctionnement et pouvoir législatif là. Donc faut président y pour doter le plus de sagesse pour que décision que le bral prend par décret yo reflété constitution, OK, yo aller en harmonie avec maman loi pays. Nous pas jamais admettre que les nan dans élection un groupe qui rivé prend pouvoir et l'elle prend pouvoir un mandat, il gon durée. Donc mandat là, il là, il y a devant peuple là, il voter, il faut qu'on admettre lors dans démocratie que gain gagnant, gain perdant. Donc même dans l'élection, élection gagné ou rivé gagné, donc ou gon durée pour rivé pour sortir. Mais lors gain instabilité ça, ou penser que gain aucune et institution ou bien conseil électoral provisoire, il était gain moyen politique pour déorganiser l'élection. Non, parce que ou gain deux zones, deux quartiers de non-droit qui gère problème population ça, comment un candidat capable oser à le présenter devant des électeurs l'un qu'on est dans condition de vie dans situation économique précaire social que population ça vit problème insécurité. Donc pour faire campagne tout faut qu'on gagne, donc d'où la nécessité pour que vraiment prochain souhaiter que c'est dernière fois dans l'histoire parlement haïtien qui ont institution qui a plus que 200 ans que ça arrive que yon législature pralé et que pas gon l'autre législature qui pour remplacer parce que pas capable gain vide institutionnel pour que on pouvoir qui a une si noble mission ça. OK, et population galien pour faire choix de parlementaire que li connaît qui vraiment prêt pour assumer responsabilité ça parce que c'est pas une simple responsabilité liée. Faut qu'on prenne de monde vraiment qui connaît ça au parlement et qui travaille que gagne comme mission, c'est pas l'heure arriver dans le parlement, il va faire du tâtonnement
pour essayer de faire connaissance à la loi, c'est proposition de loi, c'est le ça qu'on connaît qui ça parlementaire, qui mission que parlementaire, c'est pas seulement ouais privilège, mais c'est ouais qui toute responsabilité qui marchait avec pouvoir ça. Malheureusement, 1999-2019, ça fait 20 ans effectivement que nous sommes dans une situation pareille. Dans 46e législature là, c'est arrivé dans fin mandat et élection pas de fait. Élection pas de fait au deuxième lundi de janvier 1999. Eh bien, président, tu fait le constat que le Parlement est caduc. Mais avant le constat a fait, tout le monde connaît que pour que une nouvelle législature rentre, il faut une élection qui fait. Élection, yo prévoit dans la Constitution qu'il y a le moment pour les faire. Par exemple, la Constitution prévoit que, eh bien, c'est 4 ans mandat législature. Mandat ou député, c'est 4 ans. Donc, au bout de 4 ans, nous avons gagné pour nous faire élection. Le décret électoral là, il dit que entre octobre et décembre, élection a faite pour nous renouveler ensemble chambre députée. Naturellement, ça compte tomber ensemble avec un tiers du Sénat aussi qui pour faire. Dans le cas à nous, journée aujourd'hui là, nous connaissons depuis le deuxième lundi d'octobre et que 49e législature là, ok, 50e législature là, il est fini. Il est fini, élection est faite entre octobre et décembre de l'année, de cette année, de l'année dernière, excusez, de l'année dernière, de manière à ce que deuxième lundi de janvier, c'était la rentrée de nouvelle législature. Donc, depuis le temps que vous allez en vacances, vous avez clôturé la législature. La législature est finie. Naturellement, comme vous êtes dans une période côté l'autre député qui est élu, qui pourrait nous remplacer, vous n'avez pas de cours à parer, parce qu'il faut être élection anti-faite. Il était capable toujours de convoquer à l'extraordinaire pour un travail précis, un agenda précis. Ça ne veut pas dire que les statuts ont duré plus longtemps. Non, les statuts ont duré tant pour le durer, mais la Constitution et la loi prévoient comment pour l'institution fonctionner de façon permanente. L'État doué en permanence à fonctionner à travers l'institution. Malheureusement pour nous, depuis la Constitution de 87 et plus tard amendée en 2010-2011, autorité dans le pays d'Haïti pas jamais la volonté réelle pour mettre l'institution en place toutes et faire fonctionner normalement. Le conseil constitutionnel qui était doué mettre en place, eh bien 22 ans après, il pas jamais mettre en place et pas grand effort qui fait pour ça. Le conseil électoral permanent qui était doué là pour assurer en tout temps chaque fois que besoin l'y présenter pour faire élection, par exemple un député mourit, eh bien dans les 60 jours ils fait élection, ils remplacé, gagné d'autres cas qui présentaient, qui créaient vacances, eh bien pour combler vacances là. Malheureusement, autorité dans le pays ici, toujours à arranger pour que ils fait élection, les ça bon pour eux, les capable de prendre élection. Tant que l'ancien président dit, il pas fait élection lui-même, il gagne élection, dans le sens qu'il prend élection. Et ça fait que institution telle que conseil électoral permanent pas en place, donc toujours gagner un vide là qui pour faire que le besoin à présenter pour que nous combler vide institutionnel, parlement, conseil municipal, conseil de Kazakh, n'importe quel élu qui parle là pour combler. Donc c'est ça qui mettait nous aujourd'hui dans la situation côté que n'a parlé de deuxième lundi de janvier 2020. On y a regardé sous qui sa président pral dit. Est-ce que l'a dit le constater que dans le Parlement, ou bien chambre députée qui a l'inette, et puis il y a deux tiers du Sénat qui effectivement pas là, ou bien est-ce que pour une négociation entre temps qui fait, que c'est ouvert, que c'est d'ado en catimini, pour comme ça a été fait avant 2018 là, ok, donc tu as des mandats qui étaient échus pour des sénateurs, mais tu es passé sous ça, qui t'es allé, et maintenant nous venons dans la situation, est-ce que ça peut le faire encore? Dans ce sens, ça, modernité politique que pays a demandé depuis avant 86, à partir de 86 qu'on est là, qui a demandé très fortement pour pays les sortir dans mode fonctionnement avant 86, c'était la dictature, c'était le pouvoir aux mains de un chef là qui est tout puissant. Maintenant après 86, élection et constitution 87 là, lui-même il était bail des mécanismes, il était créé des provisions
pour que nous rentrions dans un mode de fonctionnement qui chita sur la concertation, qui chita sur la compétition, qui chita sur la participation. Et donc, à travers l'élection, dans le cadre de compétition, dans le cadre de participation citoyenne, nous changer dirigeants, quitte les mairies, quitte les CASEC, et dans le Parlement, ou bien au niveau de la présidence même. Les statuts là, ils finissent déjà depuis le deuxième lundi d'octobre. Depuis le lundi d'octobre, la clôture qui fait le deuxième lundi d'octobre, c'est clôture de législature. Les statuts là finis. Tu as bien élection entre octobre et décembre, et tu as bien l'autre député qui t'a rentré, tu as bien l'autre législature. Élection n'est pas faite, donc pas gagné Assemblée nationale. Le deuxième lundi de janvier, tout le monde a constaté que pas gagné réunion de chambre en Assemblée nationale. Parce que il y a une chambre qui n'est pas là. Et que dans l'autre chambre, et c'est là qu'on est là, qui gagne un petit débat, dans l'autre chambre qui quasi d'Adola fonctionnel. Les cabas de tiers, les cabas de tiers, on va voir, c'est après d'après. Mais dans tous les cas, nous gagnons un Parlement bicaméral, qui gagne deux chambres. Si une chambre n'est pas là, et bien le Parlement lui-même est dysfonctionnel. Le deuxième lundi de janvier, pas bien rien. Pas bien réunion dans le Parlement, côté que les commis de l'État, le gouvernement, les invités du corps diplomatique réunis, etc., pour la rentrée officielle, ok, la rentrée politique officielle avec une nouvelle législature. Non, pas bien ça du tout. Donc, nous déjà, tu es déjà comme ça depuis que octobre est arrivé et que l'élection n'est pas capable de faire encore. Donc, nous connaissons que nous pas bien. Une nouvelle législature qui a rentré là. Donc nous prenons une phase là de flou politique, nous prenons un vide là qui va le forcer pour que, plus rapidement, il y ait des discussions, des négociations qui fassent au plus haut niveau de l'État pour que nous soyons capables de remettre la machine en place. Mais, moi, je crois que nous prenons une phase plus importante encore. Même gens depuis avant, constat fait que c'est l'ensemble, la globalité du système qui est en question là. Donc ce n'est pas d'ado une législature. Ce n'est pas le gouvernement qui est en question. Non, c'est le fonctionnement de l'État. C'est la relation de l'État avec la population. C'est la relation en dans la société. C'est tout ça qui est en question. Et qui nécessite, je vous dis, on chita parler large, on chita parler sérieux qui vous faites pour aborder toute question économique, sociale, culturelle, identitaire, politique qui fait pays toujours dans cette situation-là de, qui fait démarrer, le pas qu'à démarrer, pour nous bailler l'autre orientation. Il y a des gens qui parlent de dialogue national, il y a des gens qui parlent de conférence nationale, nous devons passer par là. Donc, nous arrivons à un moment là, à côté que l'indispensable, l'nécessaire que Chita parle ça, fait, et de façon organisée, de façon sérieuse, dialogue ou conférence nationale, l'organiser pour bâtir l'autre orientation, sous plan politique, sous plan économique, social et autres, de manière à ce que nous venions un autre mode d'organisation de l'État. Mais organisation de l'État à côté que un changement de comportement des citoyens aussi qui fait que nous prenons respecter nouvelle organisation de l'État. Car ce n'est pas seulement ou bien une autre constitution ou bien ou amender constitution qui vient dire mais qui j'ai l'État organisé désormais pour dire qu'on finit. Non, non. Il faut que une volonté et puis une proportion à respecter ça que dit la constitution pour que l'institution mette en place, l'institution fonctionne normalement et les citoyens eux-mêmes viennent prendre confiance en dans institution et le ça n'a pas fonctionné comme un pays normal. Que bon constante là. Bon constante là c'est que en quel an président ça pas de gens voulait pour que yo te fait institution fonctionner, j'ai été fonctionner. Yo te joué même pour que élection en fait les yo ouais senti capable prendre élection. Élection c'est pas un moment politique côté que citoyen peut librement choisir qui est ce yo voulait pour diriger eux à partir de une institution qui au-dessus de tout est d'adi pression politique qui est le CEP permanent qui lui-même qu'on est là de façon technique pour lui organiser les élections et permettre compétition ça au fait en quel chef l'État passé là exécutif en général pas jamais voulait que pour que l'élection au fait ouvertement il voulait pour gagner contrôle de manière à ce que c'est yo qui est là et c'est toujours là et c'est ça qui vient faire que nous toujours dans situation que l'élection a contesté tout que nous toujours à créer problème côté que par rapport à un vide qui gagne normalement c'est rapidement aller vers le peuple pour le peuple être capable de décider mais qui gens nous voulons que pour bailler ça pour le trancher à partir de choix que nous prenons le faire de dirigeants qui prennent eux-mêmes qu'on y aller rentrer en fonction et que qui prennent prend décision donc tout le monde ont déjà peur tout élection parce que c'est qui est capable de contrôler machine donc moi crois que à partir de
problème là qui pose là qu'on y a encore une nouvelle fois et qui pourrait forcer que nous avons la solution et que la solution ça doit passer par ça me t'a parlé tout à l'heure si t'attendais large ça inclusif ça côté que différents secteurs dans la vie nationale là pour lui même river pour poser les problèmes et garder orientation à bail sur tout plan pour nous bailler pour nous n'a dit fait un autre créer un autre pays fait que nous avons un autre Haïti avec des citoyens femmes garçons qui ou même journée jodi an pi a même de assumer responsabilité et de faire que pays ça fonctionner suivant institution que nous pral bay à travers une constitution qui pral gagner de toute façon pour que qui sont passés là, je ne connais pas qui gens pour me réaliser. Mais nous venons commencer un bagage tout neuf, une nouvelle année académique. Et nous espérons que vraiment, vrai, il y aura une chance pour nous capables de clôturer l'année ça. Nous commençons avec un pile retard. Même 2 mois de retard et 2 mois dans une année académique sont pas qu'à causer. Ça veut dire que il y a vraiment des un big grand effort de nous chaque pour nous capables finir année ça en bien. Et nous connaissons l'université nous, c'est ma fabrique que nous recherchions l'excellence.
Et me connaît qui gens ça difficile dans un pays tant que pays pas nous que tout toute bagaille vaille que vaille pour n'a parler sous excellence. Mauvaise gouvernance, faut que ça finisse. Faut que nous ayons un pays côté c'est l'excellence qui a dirigé. Et c'est là que je pensais que situation pays a nous-mêmes, université, nous concernons là-dedans. Parce que génération PAM a quitté le pays. Et le ça, c'est nous-mêmes qui avons pour diriger. Et si ce n'est pas depuis Kounye là que nous cherchons l'excellence, nous n'avons pas d'espoir pour demain tout, que nous avons dirigé le pays avec excellence. Non? Et nous tous nous connaissons. Ça qui passe ces pays-là, et ça qui la cause, toute misère, tout problème, toute souffrance qui gagne. Mais pour moi-même, tout, c'est une affaire de conscience. C'est que je n'ai pas trouvé conscience bien ce côté. Je n'ai pas trouvé conscience bon côté gouvernement. Je n'ai pas trouvé conscience bon côté opposition. Président, dans le discours de janvier, a dit clair, tout problème pays a sorti dans la corruption, sorti dans le vol, dans mettre main dans l'argent de l'État, dans le détournement de fonds, dans le blanchissement de l'argent, dans la surfacturation, dans la contrebande, dans l'évasion fiscale, dans l'insécurité généralisée. Ça voulait dire, semblait inconscient de ça qui cause tout problème dans le pays. Mais qui est l'esprit bien placé? Parce que lui, pour ta fait qui choye contre tout bagage. Et c'est là que lui manquait conscience pour lui agir comme président qui est capable d'agir contre l'autre monde, pas qu'à agir. L'opposition, penser, m'espérer que je commençais vrai, que toute action pays loc, que ça ne pas mener aux pièces côté. Qui ça y est arrivé, jeune? Il y a toujours un point de départ. Il y a un travail pour le peuple et il fait toute la population souffrir. De profiter pleinement des activités sociales et culturelles pour lier de nouvelles connaissances et tisser des liens. Ces rencontres feront partie des plus beaux souvenirs de votre passage à l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti. Je vous invite à participer activement aux activités de la rentrée, mais également à celles qui seront mises en œuvre pendant toute l'année. Votre participation à la vie étudiantine saura enrichir votre cursus universitaire. Je voudrais également profiter de ce moment
pour réitérer publiquement les souhaits de bienvenue déjà formulés aux nouveaux collègues qui nous font le plaisir à l'honneur de rejoindre les rangs de l'Université Saint-François-d'Assise d'Haïti, qu'ils soient assurés de la totale disponibilité de nos services, dont les qualités d'amabilité, de compétence et d'efficacité ne sont plus à démontrer. L'Université Saint-François-d'Assise d'Haïti continuera à développer sa politique de l'enseignement autour de quatre axes forts. L'enseignement des langues, qui joue un rôle transversal dans l'apprentissage. Le renforcement des liens qui peuvent ou doivent exister entre les enseignements dispersés. La formation des cadres de conception capables de contribuer à la transformation qualitative de la société et la contribution à l'évolution de la science par l'organisation de la recherche fondamentale et appliquée, orientée vers le développement. Voilà, équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons une vidéo pour être capable de joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.